Avec ou sans épanchement. INS. Aspect ECG particulier. Au moins un. Donc, le bilan idéologique de ce patient. Heureusement que les endocardites virales et idiopathiques sont plus fréquentes. Donc, le risque le plus important, c'est la tamponnade. Et normalement, est-ce qu'on a des liquides dans le véritable? Pas toujours. Ça permet le glissement. Ils se voient quand même. Ça permet le glissement. Si, il y a un épanchement. Si, il y a un atterrissage. Décollement des deux. Femme à inflammation, femme à épanchement. Ok ? L'inflammation start. Voilà, c'est L'inflammation start. L'inflammation start, La douleur. Le syndrome biologique inflammatoire. Oui. L'inflammation ophtalmique, péricardique, le vieillissement ophtalmique. Donc, frottement. L'inflammation Bechtarkini hier, Bechtarkini syndrome inflammatoire, Bechtarkini, le frottement et vieillissement. Douleur thoracique par inflammation des vignes nerveuses. L'épanchement péricardique subchiatine. L'épanchement subchiatique. C'est un isolant, allez, l'épanchement. C'est un isolant acoustique. Assourdissement du bruit de cœur. C'est un isolant électrique. J'appuie les microvoltages. C'est l'inflammation, c'est l'irritation des filets nerveux. Quoi d'autre? L'épanchement subchiatique. La compression. La cardiomyopathie. Subchiatique, il y a un haja. Compression. L'élévation de la pression intra-péricardique. Ok. L'augmentation de la pression intra-péricardique. Mais, des conséquences. À l'épanchement, au grand de choix. L'abondance. De la rapidité d'installation plus que l'abondance. Je peux avoir un épanchement moyennement abondant, mais qui garde la maison plus faible, qui installe la élévation de la pression intra-péricardique. Le cœur. Voilà, il y a une pression, il peut plus se remplir. C'est voilà. Le retour vers l'œuf et les yeux qui s'y normalement. Les fourmis, donc je vais avoir une turgescence jugulaire. Oui, essentiellement une turgescence jugulaire. Je crois que ça a été plus grande que le quand la réflexion de remplissage sera plus basse, c'est un régime de pression. Les pressions diastoliques dans le droit sont de l'ordre de 6 mmHg de 5 mmHg. Alors que dans le gauche, sont de l'ordre de 10 mmHg. Donc, l'élévation de la pression intra-péricardique va retentir en premier sur les cavités droites. C'est logique. Donc, il y a une égalisation des pressions, il y a une diminution du retour valeur des comprimés. Donc, il y a une diminution du remplissage ventriculaire, c'est la diastolie. Par la turgescence jugulaire,
mais la chute du débit cardiaque à cause du système cardiaque, c'est la tamponnée. L'association des têtes chocs plus tension jugulaire, ça réalise le tableau de la diastolie de tamponnée. Artim, les trois situations où vous avez une insuffisance cardiaque droite, un tableau d'insuffisance cardiaque droite unique. L'angle de l'angle de l'angle. Les têtes chocs, tension jugulaire, c'est ce qui doit penser à l'angle de l'angle. La tamponnée. La partie droite. L'aspect grave, c'est le cœur pulmonaire aigu. Il est trop colchement grave. C'est le cœur pulmonaire aigu au couloir. Okay? Cœur pulmonaire aigu, à partir du ventricule droit et la tempête. Okay? Quel est le geste de la décompression. Évacuation. À l'inspiration, vous retrouvez le vigoureux. À l'inspiration, vous retrouvez le vigoureux. Donc la pression systolique, pression artérielle, va diminuer à l'aspiration de 10 mm de mercure. C'est le signe de Bosman. Ou paradoxal. Ça va ? C'est madame. Madame, en fait, la Bosman. Bosman. À l'inspiration, le retour veineux droit va augmenter. Je suis fier, mais le ventricule droit, un skin marceau. Je suis fier, mais lui, il me chie, il me chie. J'ai dit, soyez septembre. On va réduire le remplissage du VG. Donc l'éjection va diminuer la pression à l'inspiration qui est de pression. Lorsqu'on a des courbes de pression, on va avoir une baisse de la pression systolique de 10 mm de mercure durant l'inspiration. C'est ce qu'on appelle le pot paradoxal du cosmos. Rabbi de Fassel, comme toujours, le pot paradoxal du cosmos. On peut trouver plus de constriction. Le pot paradoxal du cosmos, la baisse de la pression. Il n'est pas fait de glomérulonéphrite. Il n'est pas fait de glomérulonéphrite. Non. Bon. Les caractères du frottement périgraphique. Pas du tout. Il est fugace. Il est d'intensité variable. Il persiste en apnée. Donc, il est généralement une mésocarde, ou je peux le nom d'apex. C'est pas mésocarde. Mésocarde, vous êtes dans oui, une mésocarde, Marito, je pense. Et les diastoliques. Non. Il est généralement systolique diastolique. Attends.
Il peut être systolique, il peut être diastolique, mais généralement il est systolo-diastolique. Et généralement systolo-diastolique. Généralement, mais parfois toute la systole ou toute la diastole. Moi je prends ton. Tracherie, je te couvre l'œuf. Oui. Voilà le croissement de la soie. Il persiste en la fille. Donc, la réponse, les deux. Sauf qu'un, deux. Quel accident évolutif peut survenir en cours du péricardite aigu idiopathique? Insuffisance ventriculaire gauche. Non. Rechute. Bien sûr. La partie du myocarde. Non. Coupe du rythme auriculaire. Par l'irritation du péricarde des oreilles. Une tamponade, oui, mais rarement. Les réponses justes sont B, D et E. Les signes électrocardiographiques de la péricardite aiguë. Un sous-décalage du PQ et un sous-décalage de l'ST. Oui. Une normalisation du PQ et un aplatissement de l'ST. Oui. PQ, non, je vais. Comme 4, la classification de Holtzmann, c'est pour le segment ST. En de T, segment ST. Mais pas pour le PQ. Et le PQ, c'est un PQ. Le PQ, c'est un négatif. Hey, mais madame, qui gêne un ECG. Je trouve les caractéristiques de la suce décalage du péricardite. Diffus, sans miroir. Un allongement de l'espace PR, non, une inversion dentée, oui. Donc les réponses justes sont A, B, D, E, B, D, E, A, B, E. A, D, E. D, B, oui. Un aplatissement du dentée. Dès qu'il faut se décaler, il va avoir mal. Donc, madame, je suis ABDE. Parmi les signes suivants, le pied est centré du rotateur d'un syndrome de tamponade cardiaque. Allongement du père, tantine. Du père. Qu'est-ce que. Là, je rate bien. Normalisation. OAP. Normal. Non. Silhouette cardiaque. Tamponade. Rate à grossement péricardique. Les tamponades. Silhouette cardiaque et les marche toujours un mobile postcopique. L'existence d'un épanchement entraîne la diastole. Du moment où tu as du liquide qui englobe le cœur, marche t'as pas les mouvements, le tamponade ou la blèche. Donc la réduction de la mobilité n'est pas signe. Une diminution aspiratoire de la pression artérielle systolique. Oui. Oui. C'est qu'il y a une compression. La diminution inspiratoire de la pression artérielle systolique, c'est le choix. Donc les réponses sont A, D et E. A, D, E. Madame, si une inspiration non. Aspiration. C'est que l'épanchement est important. Qu'est-ce là? Vous pouvez être abondant avec Springinger. Sans en faveur d'un voilà, pour la tuche de l'angle du droit ou pour la tuche de l'oreille droite. En fond, est-ce qu'il n'arrive pas à se rentrer toujours en vente de le fait d'avoir un cœur, que généralement il y a un stimule-là. Généralement, la tamponade, j'ai vu un épanchement plus ou moins abondant. Et le cœur se balance. Alors, tu peux avoir un épanchement avec un stimule-là sans tamponade. Swing it up, je ne sais pas si même tamponade. Hein? D'autres signes, le collapsus de l'oreille droite, le collapsus, c'est à la. Et la baisse des flux
les variations respiratoires des plus hardies qui mitraillent, qui chutent à l'inspiration. Qui m'a la pression qui chute à l'inspiration? Quand on a un épanchement de moyenne abondance, c'est pas si une ligne tamponale. Petit du moment où tu as un épanchement, lorsque le cœur fait des mouvements à turbos, il est englobé dans du liquide. Ok? Les caractères du mouvement péricardique sont les suivants pour toi. Lequel? Concernant les douleurs de la péricardie. Toutes les compositions sont juste sauf une, laquelle? La douleur s'accentue durant lors du mouvement respiratoire. Bien sûr. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Le sujet pour montrer. La douleur peut s'accompagner d'une trouble du rythme supraventriculaire. Oui. Oui. C'est rare. Oui. On peut avoir hein, c'est l'érection du péricarde. Le CG peut montrer des troubles diffus de la repolarisation. Oui. La douleur peut s'accompagner d'un frottement disparaissant en apnée. Non, c'est bouche qui mal l'épanchement pleura. Il disparaît en apnée. Le traitement de première intention, c'est la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdes. Les récidives rage ou le chronicité ou le péricardite chronique constrictif rage. Les deux choses. Les deux choses. Ah, et bien sûr, oui, il est rejeté, il a chronicité. Tout à fait. Un dimanchement qui persiste pendant longtemps, il faut faire un bilan écologique. Les signes électrocardiographiques de la péricardite aiguë. Je comprends. Parmi les signes suivants, toutes les affirmations suivantes, la douleur est habituellement vive. Oui. Le plus souvent, le frottement péricardique est le plus souvent fugace. Oui, le décollement péricardique intervient, signe la présence d'un épanchement. Non, on peut avoir des péricardites sèches, les arrêts de frottement basse. Traitement robuste, parmi les signes cliniques, la réponse 4, madame. L'évolution de la constriction péricardique est quelle parole? Oui, la péricardite aiguë bénigne vérole, elle évolue rarement. Le tamponade est également rare. La complication la plus fréquente de péricardite aiguë bénigne vérole, c'est les rechutes. Ça rechute, c'est la complication la plus fréquente. Le tamponade rare, constriction rare. Parmi les signes cliniques, la tachycardie. Bien sûr, on pose la tamponade dans la tachycardie. Mais on met les chocs de tamponade dans les tachycardies. Les signes majorés par la position assise. Oui. Soulagé normalement. Hein. Tension artérielle effondrée. Oui, c'est la tamponade, c'est les tachycardies. Tension jugulaire, oui, on parle de famille. Devant un état de choc cardiogénique par suspicion de tamponade. Quels sont les gestes à faire en priorité? Une NFL. Non. Mettre en place une pression veineuse centrale. Non. Faire un drainage péricardique et sauvetage. Oui, bien sûr. Réaliser une thérapie pour confirmer la tamponade. Non. Bien sûr. Il doit confirmer. Audit du malade. Bien sûr, il faut confirmer avant. Les signes, il faut une suspension. Le collapsus des collapsus et un débranchement abandon et les variations respiratoires par les flux. Qui m'a tension à dire le flux mitral blanc, qu'est-ce qu'il dit à l'inspiration?
qui fait la pression systolique, aortique, qui fait ou paradoxal de Postma. Donc le remplissage, ventriculaire, ionx. Donc le volume d'éjection systolique aortique, le flux aortique, ionx. Ce n'est pas toujours qu'est-ce qu'il y a du flux aortique de Doppler. C'est qu'il y a le flux interne aortique qui diminue. C'est bien une compression. En aspiration. En aspiration. Voilà. Et en expiration. Depuis la porte d'aspiration. Mais l'expiration, c'est l'axe. L'axe. C'est l'axe. Le flux aortique augmente. Quelles sont les propositions possibles concernant la péricale aiguë? La douleur thoracique peut être en deux. Oui, elle peut prendre pour tous les adultes. Donc, comment on a la vie constante? Non, je ne sais pas. Je sais juste vous montrer des modifications de QT. Non, c'est pas l'intervalle QT. L'intervalle QT, c'est la repolarité, c'est la durée. Le rôle de QT, c'est la durée. Le segment SP peut être sus-décalé dans plusieurs dérivations. Oui. Les pampouins sont abondants dans la péricardite aiguë idiopathique. Non. Les pampouins sont généralement peu abondants. Quelles sont les positions os? Le 300. Le 300. C. C. E. Et E. B, C, E. Un homme de 30 ans consulte pour une douleur basithoracique gauche prolongée. 38 degrés. Le CG montre un sous-décalage du flux du segment ST et un sous-décalage du flux. Quelle est votre vérité? Péricardite. Les péricardites idiopathiques, ce sont les péricardites les plus fréquentes. Oui, enfin, c'est le meilleur. Une cause virale est fréquemment retrouvée. Oui, oui. Quand on parle de cas, péricardite virale, péricardite idiopathique, un petit retard dans cette région. Ok? Pour le mal, la virale, on considère que c'est idiopathique. Elle n'est pas due, elle est idiopathique. L'enquête idéologique est obligatoire? Non, au départ, non. Au départ, non. Sauf si on peut la dépossible. Oui? Le traitement repose sur la corticothérapie? Non, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, ce sont les plus fréquentes. Oui. Un, deux, quatre. D, A, D, A, D. Un, quatre. Où le B, je crois que c'est un A, D. Pas le fait de tableau. Le traitement médical de la tamponade cardiaque. Le traitement médical. En attendant le drainage, repose sur les diurétiques. Mais pas plus des diurétiques. Non. Donc, on fait l'expansion volumétrique. La trénitrine intraveineuse. Donc, les bêta-bloquants. Au haut, on est à choc. Ventilation assistée. Tu l'aggraves. Il veut la ventilation parce que tu augmentes la pression intrathoracique. Déjà, le ventre cul marneau. Pourquoi augmenter? Puisque volémique. Oui. Ok? Logique, hein? La réponse est B. L'angle pulmonaire. Le tour pulmonaire aigu, c'est l'angle pulmonaire. Voilà la base aiguë droite. Le cœur pulmonaire aigu, c'est l'élévation brutale de la posture du ventre droit. Voilà. Donc il y a un obstacle, une élévation des pressions d'une façon brutale. Il y a un autre sport qui charge l'hypertrophie. L'embolie pulmonaire qui n'a jamais d'hypertrophie. Il est guère à l'hypertrophie, c'est un cœur pulmonaire chronique. Il y a des embolies répétées. Un autre sport, Massive, madame Lé. Massive, elle est massive. L'embolie pulmonaire bilatérale. C'est un cœur pulmonaire aigu. Parfait. Parfait, je suis bien trop présent. Pour un vieux choix, l'hypertrophie, ça nécessite un signe de chronicité. L'embolie pulmonaire, elle est aiguë. Ok? Madame, on a quelqu'un d'un bon. La race, c'est pas. Tamponnage bien? Avec le FP.
pulmonaire aiguë, c'est l'élévation brutale de la poche charge du ventre droit. Est-ce que peut-on parler de la poche charge augmentée? C'est la diastolie, c'est le renforceur qui est équilibré. Docteur pulmonaire aiguë, comme définition, c'est l'élévation brutale de la poche charge du ventre droit. On en colle le mur qui ont un état de choc plus insuffisance cardiaque droite, l'embolie pulmonaire. La reprise du BD pour la. L'embolie pulmonaire. On l'a marqué du BD, l'artio, un état de choc plus signe d'insuffisance cardiaque droite. Exact. Docteur jugulaire, alors, mais dans l'état de choc, docteur jugulaire, tu ne vois pas de nappe. C'est pas logique. C'est pas habituel. Tous les signes peuvent être enregistrés sauf une. Là, ce décalage du ST. Le traitement du péricardite aigu comporte la prescription d'antibiothérapie, d'anticoagulants. Anticoagulants partout. Plus ou moins fois ici. C'est les résidents. Au cours des péricardites aiguës virales, la douleur est d'inférieur de 130 en forêt. Généralement, le frottement péricardique, la constriction est une complication fréquente, non? La corticothérapie est indiquée d'emblée, non? Les rechutes sont exceptionnelles au congrès. Hein? Donc, réponse A, B. Au cours d'une péricardite aiguë virale, chez un sujet de 20 ans, l'échographie peut être normale. Oui, bien sûr, il y a les péricardites sèches. Les anomalies du segment ST sont très suggestives. Oui. Non. Il a 20 ans, ça peut pas être. Non. Vous avez mal justement on peut avoir des anomalies. Les sujets jeunes peuvent avoir ce qu'on appelle la repolarisation. Oui, la L'aspect du sujet de péricardite, ça évolue sur des semaines. C'est jamais que je suis charlie, je ne sens pas des artères négatives. Ça dépend du porté charlie des soucis de terre. C'est je ne sens pas toujours une normalisation. L'évolution est le plus souvent bénigne, heureusement. Un bruit de vélo souvent perçu, non. La douleur est souvent rétrosternale, constrictive, et n'est pas souvent rétrosternale, constrictive. Donc, l'écho cardiaque peut être normal, et l'évolution est souvent bénigne. A ou D. Au cours d'une tamponnade, le diagnostic de tamponnade doit être évoqué devant l'augmentation de la douleur thoracique. Non. Non, c'est pas. Lutteur sans jugulaire. Bien sûr. Un passement de la pression artérielle différentielle. Un coup paradoxal, lui. L'augmentation de la quantité du frottement, non. Donc, 3, 4, 2, 3, 4. Un parmi les éléments suivants ne fait pas partie des éléments typiques d'une tamponnade. Tachycardique ou paradoxale, les ischémies majorées par la position assise, elle n'est pas majorée, elle est améliorée. Bien sûr, qui t'en rate. Le liquide descend en bas, donc ça se remplit mieux. Quand on a rentré, tous les penchements, tout le cœur est comprimé. Tu redistribues le liquide. Une tamponnade est caractérisée sur un plan hémodynamique par une égalisation des pressions des cavités cardiaques. Oui, une augmentation de la pression intracrânienne cardiaque. Oui, bien sûr. Un aspect en diplateau. Non. Constriction. Une augmentation, non. Un index cardiaque augmenté, au contraire.
L'index cardiaque est diminué pour prendre ton âne. C'est le bas débit cardiaque. 1, 2, 1, 2. A, B. Pris en charge par le SAMU pour douleur thoracique intestinale constructive permanente non irradiante et évoluant depuis 12 heures. 12 heures. L'interrogatoire retrouve la notion de bronche aiguë 15 jours auparavant. Facteur de risque d'avagisme et d'hypercholestérolémie. Traité par aspirine et atorvastatine. La douleur thoracique est minime, il y a ni dyspnée ni palpitation. Les bruits du cœur sont réguliers, sans souffle, mais frottement. Les groupes éritériques sont perçus, le sujet est le suivant. Un juste décollage de l'intérieur. Du feu. Dans une image en miroir, sans enflure. Donc, d'après ce tracé, quels sont les arguments en faveur du péricardique? Le sous-décalage du feu? Oui. Le sous-décalage du SP avec l'image en miroir? Non. La sonde en feu? Oui. Oui. Le sous-décalage du PQ? Oui. Non, parce que le décalage du PQ. Les moules, il est. Si, je vois, il y a. Pas mal. Oui, non. Ah, madame. Oui, non, oui. Ça va, quand madame? Oui. Ou les moules? Oui. Le nage. La sonde. On est deux. Par rapport au chlou, les électriques qui arrivent. Non, mais c'est du calage. علاش ما نعملش تروبوني انزيم كاردياك مدام علاش ليه اي مي نامباش tu prends tes précautions علاش ليه C'est PK et DR, je m'en ai. En plus, car j'ai la barre de mon à ta vie, concentration totale. C'est là, je m'en rajoute. C'est
Mais il n'est pas pathognomonique. Constriction péricardique, Schnee. C'est un cœur. Le corps, il est englobé. Il est englobé dans une coque fibreuse. C'est généralement un tableau d'insuffisance cardiaque droite. Affecte le cœur. Le cœur, il est engainé. D'accord ? Dans un tissu fibreux. Donc c'est généralement un tableau d'insuffisance cardiaque droite, à petit cœur. Le terme de la pectorale, ça va être tout ça. Donc la constriction, qu'est-ce que ça va entraîner ? Une gêne au remplissage. Une gêne au remplissage. Le remplissage chronomichicile, essentiellement en protodiastole. Au départ de la testeur. Dès que le remplissage ici, donc on prend le diastole, mettez les diastoles, ça va aller. Je sais bien, par des systoles. Systole, ça rentre plus droit. Le remplissage de col, pression morte, elle est basse, plus style, base du protodiastole, c'est les plateaux. Vous voyez, ça va ? Vite ! Plateau. On a pris le cas. Tout le remplissage, ici, est-ce que le protodiastole, ou pas, ça y est, marche, je m'y grave. C'est le vif plateau. Plateau ? Après la systole. Après la systole. Montre que c'est vidé, Walla. Les vidés. Pourquoi avoir toute la neige ? Fils à tête là ! Ou quatre ? Ils sont remplis d'un coup. C'est le dip. Dip. Plateau. C'est la racica. Et dans aussi. Alors que normalement, il est d'accord. Le ventricule est immobile. Pas stable. Le sang colle au urètre. Flodé ou fait système veineux. Insuffisance cardiaque droite, à petit cœur.
Immobilité et le remplissage est arrêté, la pression auriculaire droite égale à la pression auriculaire diastolique droite, Koulou égale à la barre de marche en remplissage. Koulou en guillemets, marche en douche. Il n'y a pas de possibilité de se remplir. Dip, plateau. Et la construction première, elle gêne le remplissage. Donc, il va y avoir une égalisation des pressions au niveau des quatre cavités. C'est la diastolique. L'égalisation des pressions, c'est la diastolique. Bien sûr, lorsqu'on parle d'un remplissage qui est diminué, le volume d'éjection diminué, le débit cardiaque peut être diminué. C'est la respiration. Ça m'aide pour dire les choses importantes lorsque j'ai un son court et je dois envoyer des messages importants. Je vais bien avoir un rang pour le moment. Que le péricardite chronique constrictive, c'est très important. La respiration et les variations du flux à la respiration. Mais le cœur, il est engagé dans une coque fibreuse, voilà. Donc il est out des variations des pressions intra-thoraciques. C'est quoi là? Donc je sais, à l'aspiration, c'est chez à gauche, je sais à droite. À gauche, les veines pulmonaires sont des structures intra-péricardiques ou extra-péricardiques? À l'inspiration, la pression intrathoracique diminue, la pression des veines pulmonaires diminue, mais la pression ventriculaire gauche ne diminue pas. Donc le gradient de pression, la bine d'oreille gauche des veines pulmonaires va diminuer. Donc le remplissage va diminuer. Donc le remplissage ventriculaire gauche à l'inspiration diminue. Le péricardite chronique constructive. Le péricardite chronique constructive, je répète, le cœur est indépendant. À l'aspiration, la pression thoracique diminue. La pression dans les veines diminue. À la pression oreille gauche, ventricule gauche, prodiastole, dans les veines. Il est indépendant. Donc le gradient de pression de la veine pulmonaire ou oreille gauche diminue. Donc le remplissage de l'oreille gauche diminue. D'où la diminution du remplissage durant l'aspiration du ventricule gauche. À droite, ici. À l'aspiration, la pression abdominale elle augmente. Le retour veineux augmente, voilà. Donc le remplissage du ventricule droit augmente. Ventricule droit chien. L'interdépendance ventriculaire droite. L'interdépendance ventriculaire droite, septum. Oui, nîmes, je suis serre. Donc septum va aussi bomber dans le. Ici. Les yeux, ils vont en inspiration. Bon. Retour vers le nerf. Hein? Oui. Donc on a quand même la pression. Le remplissage ventriculaire gauche à l'inspiration diminue. Zidali. Le retour vers le nerf, il augmente. Le septum interventriculaire est oublié. Donc, à l'inspiration, on va avoir une baisse de la pression ventriculaire gauche. Alors que les pressions n'ont pas de temps. C'est bon ? Non. Les variations respiratoires, c'est la chose la plus importante que le péricardite constructif. Le péricarde, il est isolé au lèvre. Isolé. Un des veines à gauche, un des veines pulmonaires, à droite, un des la veine cave intérieure qui passe dans les os de l'abdomen. À l'inspiration, la pression intrathoracique diminue. La pression au niveau de la veine pulmonaire
diminue également. Alors que la pression auriculaire gauche, auriculaire gauche est la même. Et donc mon gradient de pression va diminuer, donc le remplissage du ventricule gauche va diminuer. Or, la même. Fémipère. À droite, ceci. À l'inspiration, la pression abdominale augmente, le retour veineux augmente. Le retour veineux, il est fini où le cœur est engainé dans une coque fibreuse. Ventricule gauche, il est déjà le remplissage de terme. À l'inspiration, est diminué. À cause d'un défaut de remplissage. C'est bon? Donc, la constriction, le phénomène d'interdépendance ventriculaire, ça me interdépendance, va encore aggraver, va entraîner que la pression ventriculaire gauche diminue à l'inspiration et la pression ventriculaire droite augmente à l'inspiration. Et donc, oui, je parle une, que des lucides d'interdépendance. C'est bon? Et le fait d'avoir une baisse de la pression ventriculaire gauche à l'inspiration va entraîner une baisse de la pression systolique aortique, c'est le signe le plus paradoxal de possible. Le corps du temps peut mettre le corps en position bergale. Comme la hajar, il est le signe de Cosman. À part le plus paradoxal de Cosman, le signe de Cosman, le signe de Cosman chaud. Signe de Cosman, c'est augmentation de la pression veineuse, jugulaire, augmente la turgescence pour l'inspiration. Augmentation. La turgescence jugulaire, voilà, la pression veineuse augmente, la pression veineuse, augmente l'inspiration. C'est le signe de Cosman. Le plus paradoxal de Cosman, c'est la baisse de la pression durant la systole. Enchaînez le fait. Venez. Donc, l'étiologie interhypericardique chronique constrictive, je trouve. Forcément, la tuberculose, l'hypericardie post-chirurgicale, et une chirurgie n'importe laquelle. Quelles sont les étiologies les plus fréquentes à tester? Les postures. Et on peut avoir post-radique, post-insuffisance rénale, il y a beaucoup d'étiologies. Il écrit l'article pour alpha clinique de péricardite purulente. Le traitement, en plus de l'antibiothérapie, il faut nécessairement faire un lavage de la cavité cardiaque. Péricardite purulente, bactérienne, nécessairement il faut laver la cavité péricardique. Ça va, mais si on rentre un peu sur péricardite. Laver la en plus de l'antibiothérapie. Et le pronostic très sévère. Des insuffisants rénaux, croyables, des péricardites. Ça peut évoluer à la d'épuration. Surcharge. D'ailleurs, le traitement, des péricardites, des insuffisants rénaux, c'est d'augmenter le séance de diabète. Donc, les lésions anatomopathologiques de la péricardite chronique constrictive. Tuberculeuse, post-chirurgicale, post-radique. Tuberculeuse post-chirurgicale. Purulente. Un article pour l'école des deux plus fréquents. Comporte toujours des calcifications. Non. On peut avoir des péricardites chroniques constrictives sans calcification. Un épaississement du péricarde. Oui. Une augmentation du volume du corps. Non. De la tête possible du myocarde. Oui. Rattenez qu'il y a des calcifications. Et je vous le trouve du myocarde, la radio qui l'attaque. Vous êtes dans l'étiologie, par exemple, radique, entraîne la tête du péricarde, mais également du myocarde. Et leur pronostic est mauvais. Parfois associé à un épanchement péricardique. Oui, on peut avoir un épanchement péricardique associé. C'est le fait d'évacuer ce liquide ne modifie en rien le tableau hémodynamique. Le diagnostic de référence du péricardite constrictif, c'est l'hémodynamique. L'hémodynamique, la fameuse diagnostic de péricardite chronique constrictive, vitamine, marine,
exploration et hémodynamique, on marie le cathétérisme droit et gauche. Oui. L'IRM cardiaque, tu vas voir un dépaississement. Ah ben, du péricardique, on est constructif, est-ce qu'on est hémodynamique et hémodité ? L'IRM, je fais la chose. Ça dépend. Total, le scanner en le fait. Le constructif. Quel est-ce que tu penses à une biologie néoclassique pour faire du scanner de souffert ? Là, j'ai des métastases. Je sais pas que le péricardite aigu, là, de l'angiologie. Alors là, le péricardite aigu n'a pas de place sur le plan diagnostic du tout. Pas de place au scanner. C'est dans le cadre du bilan oncologique, du péricardite aigu. Le scanner n'a pas de place que dans l'enquête étiologique. Si tu poses et tu penses à une étiologie néoplasique. Que je compte, hein? Des postigmas, vous avez des coups, par ça, c'est le déco. Et bien sûr, le tableau clinique devant une douleur, un frottement péricardique, ça peut poser des diarrhées. Non, oui, on peut la mettre pour montrer l'épaississement du péricarde. Qui masque à l'air. Tu démontres l'épaississement du N, l'hémodynamique dit malaise. Allez, je crois que c'est le fait d'avoir un épaississement n'est pas synonyme d'une constriction. Et si tu dois démontrer qu'il y a une égalisation de pression, tu as un dit plateau que de choix. Donc, un dit plateau, une égalisation de pression. Et une baisse de la pression ventriculaire gauche à l'inspiration et une augmentation de la pression ventriculaire droite à l'inspiration. D'accord ? Là, il y a une constriction, il y a un dit plateau. Et plus le plateau est haut, plus la constriction est importante. Plus mon dit n'atteint pas le zéro, plus la constriction est importante. Plus la durée de remplissage est petite, plus ma constriction est importante. La diastolie, c'est l'égalisation des pressions. Je vais finir ma diastolie. Parmi les conséquences physiopathologiques, les constrictions du BD seulement, donc la constriction de tout le cœur, oreille droite, gauche, voire la poule. Les conséquences sont essentiellement en systole, pas du tout, mais elles sont adiastoliques. Le remplissage est surtout télidiastolique, auto-diastolique. La pression. C'est les diastoliques, les ventricules gauche augmente. Non, c'est un plateau. C'est même un plateau stable. Une égalisation des pressions diastoliques entre les cavités droites et l'artère pulmonaire. Oui. D'accord. Donc, l'aspect en dit plateau et pathognomonique. Non. Notre art de diagnostic différentiel le plus difficile de la constriction péricardique et les réactes cardiomyopathie restrictive. Le diagnostic le plus difficile à éliminer, ou les alakrat ou naam, le cathétérisme cardiaque, c'est la cardiomyopathie restrictive. Mais on peut aider. On n'a pas marqué ça à cette année. Moi, je me le dis. En tout cas, il faut savoir que le diagnostic, il faut le savoir, c'est la cardiomyopathie restrictive. Ah, la cardiomyopathie restrictive. C'est le myocarde qui est touché. Tout le myocarde, il est infiltré, il ne se remplit pas bien. Il maintient en départ un myocarde. Dans le cardiopathie restrictive, le septum est également touché. C'est une cardiopathie. Ça touche la paroi latérale, la paroi, toutes les parois, y compris le septum. Donc, ma radiche, les variations respiratoires, on n'a pas de constriction péricardique. Une constriction péricardique, j'ai un septum qui a une structure normale. Donc, ma radiche, les phénomènes d'interdépendance ventriculaire. Donc, ma radiche, la baisse des pressions ventriculaires gauche à l'inspiration, ou ma radiche, l'augmentation de la pression ventriculaire droite à l'inspiration. Surtout les variations respiratoires qui va. Également, les étiologies ne sont pas les mêmes.
car une pathie réceptive, c'est une charte de dos, c'est une amylose, c'est la l'infiltration du myocarde. C'est l'hémosidérose. Mais concernant les modifications hémodynamiques anatomiques, hémodynamiques liées à la PCC, l'aspect diplato hépatognomonique, non, l'aspect diplato traduit la diastolie, oui, diastole, ça y est, le débit cardiaque diminué, oui, le remplissage ventriculaire est diminué, oui, les signes hémodynamiques sont d'une grande valeur dynamique, oui. C'est bon? BCDE. Parmi les signes cliniques du péricardite chronique susceptible, on peut retrouver une purge forte des veines jugulaires. Oui. Bien sûr, c'est un tableau d'insuffisance cardiaque droite, plus un pulsateur à l'écouteur. Cette urgence augmente à l'inspiration. On a déjà la turgescence, ça pose le diagnostic. Une acide. Oui. Un pont paradoxal, oui. Et le demi-aigu du poumon. Non. C'est rare le demi-aigu du poumon. Oui, mais c'est rare. Des palpitations. Oui. Il prend beaucoup de fibrillation ventriculaire. Donc les réponses sont A. C. Parmi les caractéristiques de ce jeu du péricardite chronique obstructive, une hypertrophie ventriculaire droite. Oui. La suite d'étalage du fût du segment ST. Une augmentation du voltage du QRS, un saut décalage du PQ du segment ST. Aucune des propositions suivantes. Aucune. On a généralement des troubles de la polarisation, des modifications de segment ST. C'est pas le sus-décalage du flux, le sus-décalage du flux de segment ST, c'est la péricardite aiguë. Ça ne donne pas d'hypertrophie ventriculaire droite. Oui, c'est gémation. Peut-être à des entrées négatives, peut-être à un bas voltage, voilà, un micro voltage. Peut-être à une entrée qui est des anomalies. De l'entrée qui est bifide. Donc tu n'as pas de sus-décalage du flux de segment ST. Ce n'est pas caractéristique. Quel est le principal diagnostic différentiel? C'est une hypertrophie restrictive. Voilà. Je vais terminer.